في الظلم في الحروب هلكوه الشجعان ضحات الرجال في الغيوب والصحراء وجبلنا باش تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان الحمد لله مبقاش الاستعمار في بلادنا تكسر سيف الظلم في الحروب هلكوش جعان ضحات الرجال في الغيوم استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في امان استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في امان qui n'a rien à voir avec le bouddhisme, qui a organisé tout cet événement. Et moi, je me présente, je suis M. Mohamed Abdelwahab, un enfant d'Oran, qui a toujours essayé de travailler dans le culturel. Bon, M. Mohamed Abdelwahab, qui n'a rien à voir avec le wahhabisme, beaucoup plus avec le wahhabisme. Alors, une fois installé en France, à part les théâtres, le cinéma, avec pas mal de réalisateurs algériens que j'ai travaillé, j'ai décidé de créer une boîte de production qui s'appelle M.A. Prod, Mohamed Abdoua Prod, sinon ma production. D'accord. Alors, une fois j'ai décidé, j'ai une idée de me faire un petit scénario, une petite série de 30 parties, mais vu le blocage financièrement, etc., j'ai pu faire les 20 parties. Vous voyez à peu près. Le projet, il s'appelle Nestifna, des gens comme nous. Moi personnellement, je vois ce projet-là, il est plus pédagogique que juste. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Mérine Sonia, nationalité française, Dahmani Khaira, nationalité algérienne. J'ai deux noms. Alors, j'ai été ravie de travailler avec monsieur Abdel Wahab, qui m'a été présenté par monsieur Nourdine Ben Ahmad. Et donc le travail de M. Abdel Wahab m'a vraiment intéressée dans le but où je suis responsable des arts plastiques Sud-Oeil et l'association Belle Horizon qui nous accueille. Et cet événement est organisé par M.A. Prod parce que Mohamed Wahab, il est aujourd'hui ici en qualité de comédien et de producteur. Donc il y a d'autres réalisateurs qui ont réalisé avec lui le film. Et donc, ce que vous allez voir, c'est une série de comiques de situation. On va passer pour le moment deux scènes de 13 minutes. On va passer l'écologie et on va passer le clochard. Allez.